Le livre de chevet. Les poètes que je relis par Max-Paul Fouchet. Ce soir, Tristan l'Hermite. Aujourd'hui, pour notre livre de chevet, je voudrais lire des textes d'un poète que l'on appelle mineur, de ces poètes que l'on appelle mineur. Ça n'a aucun sens dire que certains poètes sont mineurs. Je voudrais encore que l'on m'expliquât pourquoi cet adjectif est donné à certains poètes. Parce qu'ils ne sont pas de grands poètes, peut-être, mais il y a dans les poètes mineurs des choses si parfaites qu'il faut rendre justice au poète mineur. Et celui-là s'appelle Tristan l'Hermite. Il est né en 1601, c'est donc un poète du XVIIe siècle. Et l'homme est très curieux. Il faut, je crois, le situer, n'est-ce pas? C'est un curieux personnage. On fait toujours de François Villon une sorte de mauvais garçon incomparable qui n'a son pareil qu'avec Arthur Rimbaud. Mais un homme comme Tristan l'Hermite a une vie étonnante, n'est-ce pas? Il est né au château de Salier, dans la Marche, et son ancêtre était le fameux Pierre l'Hermite qui prêcha la première croisade. Lui-même fut page d'Henri de Bourbon, c'est-à-dire du fils d'Henri IV et d'Henriette d'Entragues. Et en 1615, alors qu'il avait donc 14 ans, il commença à mener une vie d'aventure qu'il devait raconter dans un roman, une sorte de roman picaresque qui s'appelle « Le page disgracié ». Plus tard, il fut obligé de fuir en Angleterre parce qu'en France, il avait à moitié tué dans un duel je ne sais quel personnage. Alors, il partit pour l'Angleterre où il fut accusé d'empoisonnement. Et lorsqu'il revint, ses aventures amoureuses provoquèrent le scandale. Il dut partir pour l'Espagne, mais il fut arrêté à Poitiers. Ensuite, il entra dans la suite du roi. Mais son existence ne cessa pas pour autant d'être dissipée, et la dissipation de son existence est surtout une dissipation amoureuse, si bien que nous allons avoir un poète de l'amour. Curieux personnage, vraiment curieux personnage, mais avant tout poète de l'amour. Il ne peut pas parler d'un sujet, même d'un sujet dramatique, sans que aussitôt il revienne à sa préoccupation majeure, l'amour, la galanterie d'ailleurs, plus que l'amour. Le voici qui contemple un cimetière, et il écrit ce sonnet. Ces jours mélancoliques où les ombres dolentes se plaignent chaque nuit de leur adversité et murmurent toujours de la nécessité qui les contraint d'errer par les tombes relentes. Ossements entassés, et vous, pierre parlant, qui conservait les noms à la postérité, représentant la vie et sa fragilité pour censurer l'orgueil des âmes insolentes. Tombeau, pâle témoin de la rigueur du sort, où je viens en secret entretenir la mort d'une amour que je vois si mal récompensée. Sonnet. Vraiment très beau de langue, n'est-ce pas? Ce poète mineur, comme on dit, a une connaissance de sa langue, de son chant. Mais partant d'un sujet très grave, les cimetières, la mort, il le ramène, comme tu as pu le voir, à la fin, à une amour mal récompensée. Même inspiration amoureuse dans un petit poème comme celui-ci. Les perles aiment chèrement l'humeur dont l'aube les arrose. Les serpents ont pour aliment la fraîcheur dans la terre enclose. L'air est aimé par les oiseaux, les poissons chérissent les eaux et la salamandre les flammes. Les abeilles aiment les fleurs, mais l'amour, se tirant des âmes, le cruel, n'aime que les pleurs. Là encore, quel merveilleux langage et comme on peut dire par la vertu de la langue, les choses si connues et qui seraient sous d'autres plumes banales, comme on peut les bien dire, lorsqu'on a le maniement d'une langue et le sens le plus absolu du langage.
Mais nous allons trouver d'autres poèmes de cette même inspiration. Par exemple, celui-ci, « L'extase d'un baiser », un sonnet. Au point que j'expirais, tu m'as rendu le jour, baisé, dont jusqu'au cœur le sentiment me touche. Enfant délicieux de la plus belle bouche qui jamais prononça les oracles d'amour. Mais tout mon sang s'altère, une brûlante fièvre me ravit la couleur et m'ôte la raison. Cieux, j'ai pris à la fois sur cette belle lèvre d'un céleste nectar et d'un mortel poison. Ah, mon âme s'envole en ce transport de joie, ce gage de salut dans la tombe m'envoie, c'est fait, je n'en puis plus, Élise, je me meurs, ce baiser est un sceau par qui ma vie est close, et comme on peut trouver un serpent sous des fleurs, j'ai rencontré ma mort sur un bouton de rose. Eh, préciosité, direz-vous, mais... Vive la préciosité quand elle est telle. Et cet autre sonnet. C'est fait de mes destins. Je commence à sentir les incommodités que la vieillesse apporte. Déjà la pâle mort, pour me faire partir d'un pied sec et tremblant, vient frapper à ma porte. Ainsi que le soleil sur la fin de son cours paraît plutôt tomber que descendre dans l'onde, lors que l'homme a passé les plus beaux de ses jours d'une course rapide, il passe en l'autre monde. Il faut éteindre en nous tout frivole désir. Il faut nous détacher des terrestres plaisirs, où sans discrétion notre appétit nous plonge. Sortons de ces erreurs par un sage conseil, et cessant d'embrasser les images d'un songe, pensons à nous coucher pour le dernier sommeil. Alors là, la grandeur, n'est-ce pas ? Il sort de l'anecdote amoureuse, et il arrive à la contemplation. Mais il y a, de notre Tristan l'Hermite, un poème incomparable, qui est un des chefs-d'œuvre de la poésie française, et qui a inspiré d'ailleurs un très grand musicien, en l'occurrence Claude Debussy. Et ce poème, c'est « Le promenoir des deux amants ». Un des poèmes, certainement, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, que j'ai relu sans cesse, car tout y est, la grâce, l'élégance, la profondeur et le langage. Auprès de cette grotte sombre, où l'on respire un air si doux, l'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'ombre. Ces flots lassés de l'exercice qu'ils ont fait dessus ce gravier, se repose dans ce vivier où mourut autrefois Narcisse. C'est un des miroirs où le faune vient voir si son teint cramoisi depuis que l'amour l'a saisi ne serait point devenu jaune. L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ses joncs pendants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille. Ah, là, je m'arrête, parce que je ne peux jamais lire ce quatrain sans être bouleversé par cela, par cette simplicité mystérieuse et qui fait penser à la simplicité mystérieuse d'un poète de nos jours, enfin de notre siècle, comme Guillaume Apollinaire. Quand Apollinaire, dans « Alcool », écrit ce quatrain, un poème qui s'appelle « Clotilde », qui commence par ce quatrain, l'anémone et l'ancolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain. Et bien, lorsque Apollinaire écrit ces quatre vers, il est dans la suite directe d'un poète comme Tristan l'Hermite. Je reprends ce quatrain. Écoutez bien. L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ses joncs pendants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille. Les plus aimables influences qui rajeunissent l'univers ont relevé ces tapis verts de fleurs de toutes les nuances. Dans ce bois ni dans ces montagnes, jamais chasseur ne vint encore. Si quelqu'un y sonne du cor, c'est Diane avec ses compagnes. Ce vieux chêne a des marques saintes. Sans doute qu'il couperait
le sang chaud en découlerait et l'arbre pousserait des plaintes. Ce rossignol mélancolique du souvenir de son malheur tâche de charmer sa douleur, mettant son histoire en musique. Ah, c'est merveilleux, ça, hein? Je relis pour mon plaisir personnel. Ce rossignol mélancolique du souvenir de son malheur tâche de charmer sa douleur, mettant son histoire en musique. Eh, c'était tout fait pour Debussy, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Il reprend sa note première pour chanter d'un art sans pareil sous ce rameau que le soleil a doré d'un trait de lumière. Sur ce frêne, deux tourterelles s'entretiennent de leurs tourments et font les doux appointements de leurs amoureuses querelles. Un jour, Vénus, avec Anchise, parmi ses forces, allait perdant, et deux amours, en l'attendant, disputaient pour une cerise. Dans toutes ces routes divines, les nymphes dansent aux chansons et donnent la grâce aux buissons de porter des fleurs sans épines. Jamais les vents ni le tonnerre n'ont troublé la paix de ces lieux, et la complaisance des cieux y sourit toujours à la terre. Crois mon conseil, chère Climène, pour laisser arriver le soir, je te prie, allons nous asseoir sur le bord de cette fontaine. Oui, tu passes soupirer, Zéphyr, de merveille et d'amour atteint, voyant des roses sur ton teint qui ne sont point de son empire. Sa bouche d'odeur toute pleine a soufflé sur notre chemin, mêlant un esprit de jasmin à l'ambre de ta douce haleine. Penche la tête sur cette onde dont le cristal paraît si noir. Je t'y veux faire apercevoir l'objet le plus charmant du monde. Tu ne dois pas être étonné si, vivant sous tes douces lois, j'appelle ces beaux yeux mes rois, mes astres et ma destinée. Bien que ta froideur soit extrême, si dessous l'habit d'un garçon tu te voyais de la façon, tu mourrais d'amour pour toi-même. Vois, mille amours qui se vont prendre dans les filets de tes cheveux et d'autres qui cachent leur feu dessous une si belle cendre. Cette troupe jeune et folâtre, si tu pensais la dépiter, s'irait soudain précipiter du haut de ces deux mondes albâtres. Je tremble en voyant ton visage flotter avec mes désirs, tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire naufrage. De crainte de cette aventure, ne commets pas si librement à cet infidèle élément tous les trésors de la nature. Veux-tu, par un doux privilège, me mettre au-dessus des humains? Fais-moi boire au creux de tes mains si l'eau n'en dissout pas la neige. Ah, je n'en puis plus, je me pars, mon âme est prête à s'envoler. Tu viens de me faire avaler la moitié moins d'eau que de flamme. Ta bouche d'un baiser humide pourrait amortir ce grand feu, de crainte de pécher un peu, n'achève pas un homicide. J'aurais plus de bonne fortune caressée d'un jeune soleil que celui qui, dans le sommeil, reçut des faveurs de la lune. Climène, ce baiser m'enivre. Cet autre me rend tout transi. Si je ne meurs de celui-ci, je ne suis pas digne de vivre. Max-Paul Fouchet a lu ce soir des sonnets de Tristan l'Hermite. Le livre de chevet, c'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production Janine Antoine.